vous employez la langue draconique. De ce fait, votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Einhart va maintenant vous enseigner le Rho, le second mot du déferlement. Rho signifie équilibre en langue draconique. Associez-le à Fous, la force, pour affiner davantage votre Touhoum. Rho. Savoir d'un dragon abattu. Pour votre initiation, Maître Einhart vous autorisera à absorber sa connaissance du Rho. Lorsqu'elles apparaissent. Ah! Fous, Rho! Bien joué. Recommencez. Touhoum est très précis. Votre avenir est prometteur, enfant de dragon. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Suivez Maître Bori. Thanks.
Utilisez votre impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme. Vous avez maîtrisé ce nouveau Touhoum avec une rapidité étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais en faire l'expérience... L'heure de votre dernière épreuve est venue. Retrouvez la corne de Jürgen Parlevent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe. Au sein du temple ancien d'Oustengrave. Restez fidèle à l'art de la voix, et vous vous en sortirez. Ça ne fait aucun doute. L'apparition d'un enfant de dragon à ce moment précis n'est pas fortuite. Votre destin est inévitablement lié au retour des dragons. Concentrez-vous sur la précision de votre voix, et votre destin vous apparaîtra clairement. Bien. Vous pourrez ainsi affronter le futur, quel qu'il soit. Les dragons possèdent la capacité innée d'apprendre et de projeter leur voix. Les dragons peuvent également absorber la puissance de leurs frères disparus. Quelques mortels possèdent ces mêmes capacités. Les siècles derniers n'ont pu définir s'il s'agissait d'un don ou d'une malédiction. Ce que vous avez appris en quelques jours a demandé plusieurs années à la plupart d'entre nous. Certains considèrent les enfants de dragons comme des envoyés des dieux en période de trouble. Nous en rediscuterons plus tard. Lorsque vous en serez capable. Que le vent vous guide. Les grises barbes ont demandé à l'enfant de dragon de venir les voir au haut Rodgar.
C'est vous qu'on appelle l'enfant de dragon? Vos mensonges ne nous laissent pas dupes. Nous savons que vous n'êtes pas l'enfant de dragon. Vous n'entraverez pas le retour imminent du véritable enfant de dragon. Nous lui offrirons votre cœur à son arrivée. Tous seront témoins de la venue du Seigneur Mirak. Personne ne pourra s'opposer à lui. Vous allez mourir! Je dois purifier le monde.